Alors voilà la petite histoire d'aujourd'hui. S'appelle le colporteur. Cette histoire se passe au Maroc et comporte plusieurs personnages. Le colporteur, un enfant, un bébé et un lit. C'est même lui, le lit, le personnage principal. Il était une fois un colporteur qui passait de rue en appelant de son message que chacun reconnaissait. Cela permettait aux habitants de se débarrasser des affaires inutiles ou qui ne servaient plus. Car un colporteur est un marchand ambulant. C'est vrai que ça peut être aussi une personne qui transmet une nouvelle. Mais pour nous, dans notre histoire, notre colporteur passait dans notre petite rue et je lui fus donné, moi le petit lit. Le petit lit de bébé qui ne servait plus, car l'enfant avait grandi et dormait désormais dans un grand lit une personne. J'étais un peu triste de quitter cette famille. J'ai aimé cet enfant qui dormait, gazouillé et pleuré. Maintenant me voilà parti avec le colporteur de rue en rue. Qu'allait-il faire de moi? J'étais inquiet. Il y avait toutes sortes d'objets autour de moi, s'inquiétant de leur futur sort. Eh bien, plusieurs rues plus loin, une dame est sortie de sa maison et m'a vu. Combien coûte ce lit? A-t-elle dit. Le colporteur lui donna son prix. Et voilà pour ce petit